Vigiculture, votre outil de saisie des observations d'épidémiosurveillance, propose désormais un outil complémentaire afin de faciliter la saisie directement au champ. Conçu pour les tablettes et smartphones, il fonctionne même si vous n'avez pas de réseau. Ainsi, vous n'avez plus besoin de noter dans un carnet d'observation, ce qui permet de gagner en temps et d'éviter des erreurs de ressaisie. Pour accéder à Vigiculture mobile, rendez-vous tout d'abord sur le navigateur de votre tablette ou smartphone et tapez l'adresse suivante https://m.vigiculture.fr. Ensuite, identifiez-vous avec vos logins et mots de passe habituels. L'outil propose alors d'installer un raccourci sur votre écran d'accueil qui permettra par la suite de vous connecter plus facilement. Ainsi, lors de votre prochaine connexion, vous accéderez à l'outil via l'icône Vigiculture sur l'écran d'accueil de votre tablette ou smartphone. Une fois connecté, vous retrouvez les fonctionnalités de saisie habituelles auxquelles vous accédez depuis votre ordinateur, création de parcelles, notation des observations et des interventions. Pour créer une nouvelle parcelle, rendez-vous sur l'icône Menu en haut à gauche de votre écran. Vous pourrez alors la géolocaliser directement. Dans le menu, sélectionnez Parcelle, puis Ajouter. Complétez alors les champs tels que vous en avez l'habitude sur la version web. Avec cette version mobile, vous pouvez géolocaliser directement la parcelle via le bouton Emplacement géographique. Cliquez sur Suivant et continuez d'indiquer vos informations parcellaires comme habituellement. Pour saisir vos observations sur la page d'accueil, sélectionnez la parcelle concernée. Vous accédez alors exactement au même champ que sur la version web, mais avec une ergonomie adaptée aux écrans portables. Il est ainsi possible de n'afficher que les variables observées en les sélectionnant à l'étape 2. En fin d'étape, vous accédez à un récapitulatif de votre saisie. De la même façon, vous pouvez ajouter des observations flottantes à partir du menu outils. La saisie se déroule de la même manière que sur la version web. L'avantage de la version mobile est alors de vous permettre, en étape 2, de géolocaliser directement votre observation. Après chaque saisie et après vérification de celle-ci, si une connexion réseau le permet, vous devez lancer une synchronisation en appuyant sur « Synchronisation » dans le menu. Cette étape consiste à transférer les données du smartphone vers la base de données. Elles seront ensuite consultables via l'interface web.